Bonjour, des pommes, des poires, mais pas de Scooby-Doo. Bienvenue au verger de sauvegarde de Nort-sur-Erdre, un verger géré depuis plus de 20 ans par la Fédération des aînés ruraux de Loire-Atlantique. Ce lieu abrite des variétés de pommes parfois disparues. C'est le seul verger de ce type en France. Ce sont des variétés anciennes et actuelles. Ça s'est bien développé au départ, évidemment, avec les soins appropriés. Réalisé par les clubs tous les 15 jours. Il y a 35 arts et on a plus de 200 variétés de pommes et une cinquantaine de variétés de poires. Oui, il y a deux volets, il y a plusieurs volets, mais dans les variétés anciennes, évidemment, il y a les pommes qui servaient à faire du cidre également, et les pommes qu'on disait à deux fins, que les gens mettaient dans les tas de blé, dans les greniers pour la conservation. Et qui servait aussi à faire du cidre. Souvent des variétés tardives, résistantes à un certain nombre de maladies, dont le puceron en particulier. Et puis il y a aussi les variétés anciennes, qui étaient plutôt des variétés de qualité gustative, qui se mangeaient de bouche. Hein. Donc la plus typique dans la région, c'était la Choyeux, dénommée aussi Drador, au moins dans la région nantaise. Il y avait aussi la Rainette du Buisson, qui est dans tous les cantons autour de Nantes, qui était très développée. Une pomme jaune pointillée de rouge. Il faut entretenir le verger de façon à pouvoir présenter. C'est un petit peu une singularité, si on veut ici, c'est on présente des fruits dans les variétés des arbres. Elle s'appelle groseille, elle s'appelle courpendu, elle s'appelle patte de loup. Mais il y a une belle récolte de fruits. Parce que les fruits sont protégés par des filets contre la grêle, contre les ravageurs, le ver des fruits, le carpocaps, et contre les oiseaux aussi, surtout pour les piqûres de pré-récolte. Et forcément, une fois ramassés, il faut les déguster. Ah oui, la dégustation, oui. C'est-à-dire qu'on fait une dégustation assez rationnelle, pointue. Hein. La finesse de chair, la fermeté, la juteosité... L'acidité, le sucre, les arômes, la dureté de la peau, complétée par la conservation, les pourritures, les qualités de l'arbre. Le verger de sauvegarde de la Garenne à Nort-sur-Erdre, ce sont 200 variétés de pommes, 50 variétés de poires. Le verger est ouvert au public le premier mercredi de chaque mois de 15h à 18h.